Yo les gens, c'est les délires de Pog avec Titours. Bon alors voilà, pour cette première émission, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu notre émission, enfin que j'ai pas eu mon émission, maintenant je dois la partager avec Titours. On a entendu dire avec moi, c'était ça le délire, mais tes délires ils sont merdiques. Oh oh pardon, ok, ils sont stupides. Bah c'est le but, non? Bah si tu veux qu'on croive que tu es un singe préhistorique, si tu veux. Je vais te claquer. Et bah, Yemen est en fait non, c'était une blague. Bon alors aujourd'hui, qui on intervient? Bah je crois que c'est une nouvelle PS que tu voulais voir. You. Bonjour. Salut. Salut. Donc voilà, on a Jordan et Iris. Ouais ouais, je m'appelle Iris, c'est ça mon nom maintenant. Bon allez. Du coup, alors ça fait quoi d'être le nouveau LPS et la plus belle? Oh, il est trop cute. Mais faut répondre à la caméra, pardon. Donc voilà, donc je me considère pas non plus comme la plus belle. Bon, je sais que beaucoup aiment ce genre de style d'épagnole, mais bon, voilà. Et t'es contente dans cette équipe? Bah, je mets bien dans l'équipe à FN News, mais pourquoi pas? Et sinon, un petit copain? Oh, t'es sérieux là? C'est moi qui dois poser. Oui, oui, enfin, j'en voudrais un, mais un authentique, quoi, pas un comme Rambo. Je suis un beau gosse qui a toutes les femmes à ses pieds. Personne ne l'a recalé, car c'est le plus swagué. Ouais, c'est moi qui a les filles à ses plaies. Ouais, le mec le plus swagué. Personne ne l'a mis. Lui a mis le râteau, car c'est lui le plus beau. C'est lui, Jean. Tu vois, le joueur qui font c'est moi le plus beau. Oh, il va se prendre râteau là. On lui dira qu'après. Ouais. Et toi, Jordan? Toi, tu préfères quoi? Fille ou garçon? Je suis pas définie là-dessus, je m'en fiche. D'accord, donc tu peux peut-être être homosexuel ou hétéro. Ok. D'accord, et sinon, il y a une fille qui te branche ou un mec? Pas pour l'instant. Et toi? Bah, moi, perso, ce serait peut-être Logan. Logan? Attends, tu parles de ce Logan? Doré, tassé, comme on est, gala. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'essaie de répéter pour le concert ce soir. Ah, c'est vrai, il y a le concert. Putain, tu vas pas encore me planter, hein? Si. Oh, tu fais chier, Lucie. Bah, va aux toilettes, bordel! M'énerve. Ah ou pardon. Ben lui au moins il est authentique quoi, c'est pas comme Rambo. Yo, t'es un peu cru avec ce pauvre Rambo quoi. T'as qu'à sortir avec, on verra. Il est hétéro. Donc peut-être pas, tu vois. Ben Logan aussi il aime bien les filles et les garçons. Ah ouais en plus. Donc ça sera varié. Pour des plans à trois. C'est qui tes parents? Chantille! Merde, elle est pas là. Oh, oh, il a que 6 ans. 6 ans. Bah oui, pour jouer au jeu société à 3. Ah, oui, oui, voilà, un plan pour les jeux société, oui. Bah oui, bah vous croyez que je parlais de quoi? De Malabar. Un plan de Malabar. Ah ouais, ça aurait pu être trop cool ça aussi. Attends, pourquoi j'ai pas eu l'idée avant? Toi, de devenir mon camp. Ton camp? Non. Et ça fait quoi d'avoir trouvé tes parents? Parce que bah, ma mère était déjà avec moi, mais bon, on avait perdu mon père de vue, il était parti en Angleterre. Du coup, bah, on savait pas si on allait le revoir. C'est trop triste. Et du coup, maintenant, il fait plein de câlins. Non, c'est mon père. Et alors? Un papa fait pas de câlins? C'est très rare. Très, très rare. Et j'ai pas l'âge. Passé l'âge. Oh là là. Logan me manque déjà.
Attends, Logan, le rappeur de heavy, enfin le rappeur et aussi heavy metal, le chanteur que tout le monde déteste. Tout le monde déteste. Vas-y, vas-y, respecte un peu là, ok? J'ai écouté tous ses albums. Même les rock? Même les rock. Si quelqu'un m'entendait, il a peur de ma vie. Elle est folle. Vous parlez de quoi là? Oh oui, faudra t'y faire, hein. Il sait faire flipper les gens, c'est pour ça qu'on me retourne à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que j'arrive derrière toi de toute manière, alors comme ça c'est réglé. Ouais. Elle veut sortir avec ça? Quoi? Elle veut sortir avec un chiche kebab! Non, j'aurais plutôt dit hot dog. Tu sais les merguez grillées, toi t'es mort. Ok, d'accord. Merguez! J'ai dit quoi? D'accord, je vais pas. Si tu veux, je peux te transformer en sac à main. En peau de singe. Parfaitement. Je vais voir si Léviton en a besoin. Non, je préfère être c'est Longchamp. Je vous rappelle qu'on est dans studio professio. Ta bouche. Ok. C'est qui le plus beau? Et ouais, c'est pas compliqué d'être super stylé quand tu t'appelles Rambo. Je vais juste te dire quelque chose. Quoi? Ta gueule! Les gros mots, il y a des enfants qui vont regarder. Ouais, il y a moi. Ouais, hein. Faut pas dire ça, c'est pas bien. Voici, c'est pas bien, faut pas dire ça. Logan, il va être puni. Vilain pas beau, va dans ta chambre. Léviton. Il va être puni, hein. Va dans ta chambre. Il y a des enfants qui ont entendu ce que tu as dit, c'est pas bien. J'ai gagné. Oh, oh. C'est ce que vos parents ont dit quand vous êtes trop compliqués et qu'ils ont enfin réussi à vous mettre son truc. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est authentique. Ouais, je sais, je suis totalement authentique. Je parlais pas de toi, le raté. Je parlais de Logan. Oh, pardon. Et ouais, donc on dirait qu'une qui a déjà trouvé l'amour en même pas 2 jours d'ici. Bah, on est arrivé lundi, hein, faut dire. Hein, lundi. Non, même pas, là, pas lundi. On est arrivé hier. Hier, on était jeudi. Mais qu'est-ce que tu le trouves? Alors là, vous imaginez un film du genre. Non, Natacha. D'accord? Allez, vas-y, je vous mets dans l'instant. Vous êtes prêts? Non, s'il te plaît, Natacha, ne fais pas ça. Désolée, Carl, mais j'en aime un autre. Mais moi, je ferai tout pour toi. Désolée, mais mon cœur a choisi. Choisis-moi! C'est trop tard. Je vous avais dit que vous voulez vous imaginer ça. Et là, tu chantes. Il s'est pris un râteau. C'est pas compliqué. Il va se mettre à chialer. Eh, mais t'étais pas déjà en couple? Bah, si, mais tu vois, elle est loin et. Ok, ça par contre, je m'en occupe. Méchant! C'est ce qu'il y a des enfants. Sinon, je t'aurais traité de. Lis bien le fond de ma pensée! T'imagines la pauvre fille? Alors, moi, tu vois, je te transforme en kebab. Ah! Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez tous? Je suis un mec, ok? T'en fais pareil! Non, parce que moi, quand je suis quelqu'un, tu vois, c'est pour la vie. Toi, t'es qu'un profiteur! Oups, pardon. Eh, bah le caméraman! Ne faites jamais ça, sinon je vous retrouverai. Est-ce que c'est clair? Faut croire que ça a saigné. Waouh! Bah oui, il a failli tromper Elena. Attends, vous êtes sérieux là? Rambo, t'es mort! Il est mort, il va faire dodo pendant une petite semaine, je crois. What the fuck? Les insultes anglaises, on les connaît aussi. Pardon. Je suis désolée. Tu vas valser. Tu es prêt? Je suis désolée.
Moi, je vais m'en vais. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est les délires de Pog ou la cacophonie? Bah, c'est la cacophonie. Cacophonie. Caca. Je tiens à préciser qu'il a que 6 ans et que c'est normal qu'il trouve ça drôle. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, comment dire? Rambois s'est trompé là? Ok, il est mort. Mais pourquoi? Tu la connais même pas? C'est une fille qui est respectable. Parce qu'elle sort avec déjà. Elle a tellement de mérite. Parce qu'elle sort avec? T'es jalouse? Non, moi c'est très bien qu'il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse ici. Ah oui, ton son. C'était un secret. Est-ce que c'est clair? Oui. On tape pas le présentateur. Je préfère plus. Ne pas frapper ses amis. Est-ce que c'est clair, les enfants? C'est mal, la méchanceté. Ah oui, c'est très mal. T'es sérieux, là? Bah, elle a dit la méchanceté. Moi, je t'ai craché dessus. C'est un signe de respect dans mon pays. Tu vas de quel pays? Bah, la France. Espèce de là-bas. Bon, bah, l'émission, c'est fini parce que Pog est en train de bouder dans son coin. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Et si vous avez rien compris, bah... c'est normal. Bisous! C'était les délires de Pog. À la vendredi prochain. Tchuss, les gens!